Coucou, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que ce sont des fanarts qui ont été faits par plusieurs personnes différentes. Donc voilà, je vais essayer de vous afficher le maximum de noms que j'ai pu trouver. Comme cette vidéo, on l'a tournée il y a un petit moment. Donc voilà, et surtout, bon, on le dit assez tôt dans la vidéo, mais on ne critique pas du tout les personnes obèses, etc. On rigole juste du dessin qui a été fait, la modification de la princesse en cours. On n'a rien contre les gens obèses, on n'a rien contre les seins qui tombe, on s'éclate quoi, il faut savoir s'amuser. Allez, bonne vidéo! Et coucou, c'est le successeur de Disney pour un nouveau commentaire sur sur des les fanarts. fanarts. Nous avons déjà fait sur les princesses avec une taille normale. Normal. Maintenant, on va aller dans l'excès. L'excès, ouais. On va aller dans les princesses obèses Obèse. Qui, du coup, vous feront peut-être moins complexer. C'est ça. Et est-ce que vous aimeriez que ce soit ces princesses à la place des vôtres? Dites-le nous et surtout, n'hésitez pas à nous dire laquelle vous avez préférée et laquelle vous avez trouvé la plus dégueulasse ou autre en commentaire. Nous commençons immédiatement. Oh mon dieu! Je pense qu'on est tombé sur la pire en première! Non! Là pour le coup, ça fait vraiment. Pour toi et moi! Là, là, là. Oh non, en plus les petits coquillages! Alors, si Ariel est comme ça, comment va être Ursula? Extrêmement. La meilleure réaction du jour, bravo princesse! Ursula, elle est assise. Là, t'as le bide qui repose sur le rocher. Non, c'est affreux, là. Et les seins qui... Et le double menton tellement immense qui s'est confondu dans le... Mais d'ailleurs, on ne critique pas les femmes obèses. Hein. On a des obèses oui, dans nos familles. On dit sûr. Par rapport à ce dessin-là, vous inquiétez pas. Hein. Dans ma famille, il y a une personne qui est bien plus obèse que ça. Et je l'aime de tout mon cœur. Et tout ce que vous voulez, là, on dit par rapport à la princesse. Hein. Voilà. Voilà. Après, par rapport voilà, à l'image qu'on a d'Ariel, bien sûr. Voilà. Ah bah encore mais c'est que Ariel? Non, je pense pas. Non, je pense que j'ai. Non, mais c'est juste qu'on me les a donné comme ça. J'ai tout mis. Voilà, c'est bizarre parce que ça fait. Mais ça rend mieux parce que ça fait plus la belle fille ronde. L'autre, c'était vraiment exagéré. Ah ouais. Là, je veux dire, ça fait voilà. Par contre, je sais pas comment elle cache un de ses deux seins. Avec... Par contre, elle a pas mangé le Sébastien. Je sais pas ce qu'elle a dans la main. Non, c'est la fourchette. Tu sais, elle se paye. Ah oui, oui, j'ai cru que c'était une pince. Enfin, j'avais aussi, j'ai cru. J'avais mal vu le forme de la fourchette. Donc voilà. Ça. Sébastien est vivant. Ah bah encore Ariel. Ah bah elle est pas trop. Enfin elle a des formes quoi, elle est pas. Non ça va, c'est juste que l'autre était très exagéré quoi, voilà. Vraiment. Non mais là ça va, faut pas déconner. Ouais, c'est toujours, toujours Ariel. Ouais je crois que ça va être Ariel. Là elle a pris un peu de poids. Ah oui, avec les années. Eric est toujours content, bon ce stade ça va. Depuis qu'elle a goûté la mayonnaise. Non sympa. Ouais Eric est content. Encore Ariel, et bah, plus les années passent, en plus Ariel. Non c'est pas affreux hein. Elle a pris du poids mais voilà c'est pas bon, elle est peut-être... C'est en même temps je pense que ce qui nous a choqué dans le tout premier c'est que ça suit presque pas les graphismes habituels alors ouais. Tout le reste le dessinateur c'est bien voilà suivant ouais, voilà elle était enceinte de Mélodie c'est ça et là elle vient d'accoucher voilà. Et elle a pas encore perdu les kilos qu'elle avait pris en étant enceinte voilà je sais pas si ça va être à la fin suivant ah oh non mais c'est dégueulasse elle se presse le sang, ça le fait. On va imaginer qu'elle attend son bébé. Oh, j'ai démonté de lait, je sais pas. Et Aladdin, qu'est-ce qu'il fait? Aladdin, il a des abdos de fou par contre. Le truc, c'est qu'on dirait que le génie voulait montrer un truc à Aladdin et que ça excite Aladdin. Du genre, regarde, elle se touche les seins. Oh, ouais, tu vois. Et il est bizarre ce dessin. Ouais, il est pas du tout réaliste. Enfin, pas réaliste, mais il est pas. Mais t'as vu? Attends, il y a une magie autour d'elle. Ouais. Est-ce que le génie lui a pas de main? Est-ce qu'elle a pas demandé au génie un souhait du coup? Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, c'est très humoristique, c'est sympa. Ah oui, donc oui, les seins sont tellement gros que ça fait vraiment deux grosses boules qui sont reliées à rien. Donc voilà. C'est bizarre. Suivant. Oh, oh Dieu. Bon, je pense pas qu'il y ait énormément... La tête de Raja, regarde. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui nous regardent qui soient vraiment comme ça, parce que je pense qu'à ce stade-là... c'est l'opération. Plus... Là, c'est quand on peut plus bouger, quoi. Ah mon Dieu, là, c'est affreux. Donc, voilà, c'est Jasmine, quoi. Mais le dessin fait plus intéressant que le précédent, par contre. Voilà, suivant... Elle essaie d'enlever son tampon, j'ai rien dit. Ah oh, non, arrête. Suivant. Ah, Tiana. Ah, Tiana. J'avais oublié de recadrer, je la remettrai. Avec son petit sandwich, bah elle fait classe. Son petit sandwich, ouais. Rien à dire. Non, ça va, elle est pas. Non. Ça va. Suivant. Ah, il y en a qui est enceinte. Qui a fini de manger. D'ailleurs, elle a la robe de Cendrillon, quoi. Bah non, elle a la robe. Non, mais je veux dire une robe bleue. Ah oui, d'accord. Ah voilà, là, elle s'est mariée. Qui va accoucher.
Non mais ça fait classe, ça fait bien. Vous voyez, on peut faire des princesses comme ça. C'est... Sérieusement, au début, on... comme on avait dit, ça, j'en crée les gens diraient ouais, la princesse elle est grosse, mais je l'aime bien, c'est sûr. Bah oui, hein. Oh là. Oh. Regarde Mouchou, regarde. Non mais là, elle aurait... Et du coup, lui, il est content parce qu'il est tout seul. Moi, c'est Shenpo. Moi, c'est lui, Shenpo. Non, mais j'aime bien le style. Ouais. Je pense que c'est plein de dessinateurs différents pour le coup. Donc. C'est qui elle? C'est Gisèle. C'est ça. J'allais dire ses réponses, mais non, pas du tout. Bah du coup, ça choque pas du tout. Bah elle fait plus sexy en fait. Elle a des formes. Ouais. Y a rien de non. Alors Deviantart. Alors ça c'est à quelqu'un. Est-ce que je peux réussir à lire Mike Mac 1984. Donc voilà. Ah non, c'est écrit en gros là. Max Stitch. Donc voilà, désolé ceux qui sont fans de lui ou à lui s'ils le regardent, je ne pense pas. Mais du coup, je pourrais pas marquer dans la description ou dans le titre tous les noms de tout le monde. Donc voilà, au moins on a dit que c'était lui qui avait dessiné celui-là. Donc voilà, Elsa qui est... Voilà, Elsa qui a fait qui un pose. Voilà. C'est Olaf qui l'a peinte. Suivante. Réponse. En fait, ça fait à la fois un dessin simple et en même temps compliqué sur les détails des lumières et tout, donc c'est marrant. Donc si c'est un dessinateur, ça doit être, je pense, un débutant, parce qu'on dirait que ça a été fait et que ça a été scanné, tu sais. Ouais. Je pense, hein, je dis peut-être une bêtise. Mais pareil, ça choque pas, mis à part qu'ils ont fait un sacré décolleté pour une fille de cet âge-là. Excusez-moi. Et du coup, ils ont dû raccourcir sa robe pour qu'on voie ses cuisses, je pense. Suivant. Non, jamais je ne maigrirai. Bon bref, elle est sympa. Ouais. Pareil, pas j'aime trop bien, moi, elle est sympa. Ariel. Qu'est-ce qu'elle fait? Belle qui mange. Oui, mais on dirait qu'elle a, je sais pas quoi dans la bouche. Bah son doigt. T'es sûr? Ouais, c'est qu'elle a goûté un truc. Ah, oh, mais c'est bizarre. Je pense. Tu hein. goûtes comme ça, tu goûtes. Pas. Lumière, viens m'apporter de la tarte. Mais en fait, elle peut plus bouger. La scène fait trop malsaine en un fait. Un peu, ouais. Le fait qu'il a lui donné à manger. Mais il est petit. Oui, il fait tout petit. Ouais, c'est ça, je me disais. Bon, c'est un montage, il est vachement bien foutu. Belle encore. Elle lit un truc sur Aladdin. Bien vu. Ah, j'aurais pas remarqué. T'as vu? Ouais. Il y a la lampe sur le livre. J'avais pas fait. Bon, par contre, ouais, non, elle a un stade là, où elle peut plus bouger. Hein. Là, ouais. Pareil. C'est beaucoup plus compliqué. Ben voilà, et donc cool. Voilà, lequel était ton préféré pour toi? Et ben lequel moi, je t'as trouvé plus gore? Plutôt Megara. Ouais. Je l'ai trouvé sympa. Oh, et le plus gore, bah... La première Ariel et Jasmine aussi. Le truc bizarre là. C'est vrai, ouais, mais ça c'était un peu... C'était presque sexuel le machin. Un peu, ouais. Il y avait un truc malsain là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire, vous, quel était votre préféré et celui qui vous a le plus dégoûté. Celui qui vous a fait changer d'image de suite. Allez, à plus tard. Salut. Je vais vous emmener sur Periscope, Snapchat, Facebook. Noble paysan, suivez-moi, venez sur le bouton s'abonner.